Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce passage, on a l'impression qu'il est fait pour quelques pacifistes et ceux qui ont connu cette époque avec des fumeurs d'herbes un peu bizarres se disent qu'être un pacifiste, c'est un métier de paresseux. Alors que c'est exactement le contraire. Ceux qui, par exemple, diraient qu'être agriculteur, c'est un métier de paresseux parce qu'il suffit de laisser la nature travailler et faire porter du fruit à des plantes, n'imaginent pas la puissance qu'il faut. Et ces machines que l'on va bénir juste après la messe vont en être un peu la démonstration. Ceux qui ne connaissent pas n'imaginent pas la puissance qu'il faut pour justement travailler avec la nature et quelquefois un peu contre elle, ou plutôt contre les mauvais produits de la nature. Il faut cette puissance pour être capable de lui faire porter ses meilleurs fruits. Eh bien, de la même manière, la paix que Jésus nous offre aujourd'hui dans l'Évangile est plus qu'une simple absence de guerre et je vais rester assis dans mon coin et tout ira bien. Au contraire, elle demande une véritable puissance, elle demande des hommes vrais, des êtres humains solides, puissamment enracinés en Dieu et avec comme moteur intérieur l'Esprit Saint pour savoir changer le cours de l'histoire et de la nature humaine. Parce que notre nature humaine, on en a la démonstration dès qu'on va regarder la télé en rentrant chez nous, ouvrir un journal, on va en avoir la démonstration, notre nature humaine est capable du pire. Mais, et c'est là que nous avons un regard chrétien, elle est capable du meilleur. Oui, un chrétien, comme un agriculteur, est capable de discerner derrière une jachère débordante de ce que vous voulez, la capacité de porter du fruit. Nous, comme chrétiens, nous sommes capables de voir dans chaque être humain qui nous entoure, même les plus insupportables et ceux qui portent les pires ronces dans leur cœur, des graines de saints. Oui, nous sommes tous des saints en puissance. Mais pour être des saints, il ne suffit pas de se poser dans une église, de lever les bras au ciel et dire à Dieu « Ah !» Non, il faut prendre les choses en main, il faut prendre sa vie en main. Il faut être capable de labourer son propre cœur, de redonner à sa vie intérieure un peu de tenue. Il faut être capable d'arracher, d'éliminer tout ce qui, en notre cœur, est une racine de haine, de jalousie, de vengeance. On les connaît, toutes ces racines-là. Mais après, il faut être capable aussi d'y accueillir le bon Dieu, lui qui va planter en nos cœurs tout ce dont on a besoin. Nous avons été baptisés pour la plupart ici, sauf Jules que je n'ai pas trouvé tout à l'heure, mais bon, peut-être qu'on le retrouvera d'ici la fin de la messe. Nous avons été baptisés et le jour de notre baptême, Dieu a placé en nous l'Esprit Saint. C'est mieux qu'une simple graine, c'est véritablement la vie elle-même qu'il a placée dans nos âmes. Et cette vie, nous devons l'entretenir. Nous devons, par chaque sacrement, par chaque prière et même par chaque acte bon, faire porter du fruit, permettre à cet Esprit Saint de se déployer. Alors aujourd'hui, en prenant le temps de demander à Dieu de bénir ses instruments de travail, demandons à Dieu d'avoir nous-mêmes le même courage. Par exemple, je sais que ça a énervé beaucoup de monde de voir notre pape accueillir comme réfugiés des gens qui ne sont pas chrétiens. Et il a fallu que le pape ait un courage quand même assez impressionnant pour oser accueillir ces personnes, malgré les critiques, les qu'en dira-t-on, le « oui, et nous, et les autres, et ceci ». Il a fallu un vrai courage pour oser dire que comme chrétiens, nous devons aimer chaque être humain sans exception. Et je vous rappelle un petit détail aussi. C'est Jésus qui nous a dit « aimez vos ennemis ». Si vous aimez vos amis, qu'est-ce que vous faites de plus que les autres ? Si le bon Dieu nous a donné l'Esprit Saint, ce n'est pas pour être des chamallows qui sont en train de fondre au coin du feu de camp. Non, il nous a donné l'Esprit Saint pour porter du fruit. Et ce fruit-là, il a besoin d'énergie, il a besoin de puissance, il a besoin de notre engagement. Alors aujourd'hui, demandons à Dieu, on a la chance d'avoir un pape qui ne manque pas d'énergie, qui ne manque pas de puissance, même face à toutes les bêtises du monde. Demandons d'avoir le même courage que lui, pour oser être chrétien, c'est-à-dire oser
venir ici à la messe, accueillir ces fruits, accueillir ces graines de l'Esprit Saint, cette vie qu'il nous offre, mais oser aussi, une fois sortis d'ici, leur faire porter du fruit. Que Dieu nous aide, que tous les saints du ciel, tous ceux qui ont préparé le terrain avant nous, tous ceux dont nous voyons aujourd'hui le travail, que tous les saints du ciel qui nous entourent, juste là, vous pouvez regarder sur la fresque qui est au-dessus, dans la croisée de ce transept, tous ces saints qui nous aident et qui nous accompagnent, parce que vraiment, chaque être humain est une graine de saint. Amen.